quoi ? Le démon de la radio est à la porte ! Quoi ? Qui ? Qu'est-ce que je dois faire ? Ben, le laisse pas entrer ! Puis-je prendre l'antenne ? Vous pouvez. À l'instant, ravi de vous rencontrer, mon cœur. C'est un plaisir, venu excuser ma visite surprise, mais j'ai vu votre fiasco à la télévision et je n'ai pas pu m'empêcher. Quelle performance ! Je n'avais pas autant ri depuis le grand krach boursier de 1929. Tellement d'orphelins. Ne bouge plus ! Cabronero de pera ! Je connais ton petit jeu. Et je ne vais pas te laisser blesser qui que ce soit ici. T'as pigé, un pas de plus et t'es mort ! Ma chère, si je voulais blesser quelqu'un, ça serait déjà chose faite. Non, je suis ici pour aider votre cause. Il a dit quoi, là ? Aider ! Allô ? Ah, est-ce que ces trucs fonctionnent ? Un, deux. Pour moi, c'était clair et net. Et vous voulez aider pour... Cette chose ridicule que vous essayez de faire, cet hôtel ! Je veux vous aider à le tenir. Pourquoi ? Qu'est-ce qui motive les gens ? Un ennui pur et absolu ! Ma muse m'a quitté depuis longtemps. Mon travail est devenu lassant, sans objectif, sans but. Je cherche une nouvelle forme de divertissement. Et un combat à main nue avec une journaliste, c'est du divertissement ? Dans sa forme la plus pure, très chère. La réalité, la passion. Après tout, le monde est une scène. Et la scène est un monde de divertissement. Donc, selon vous, ça serait possible pour un démon de se racheter ? Absolument pas ! Quelle idée saugrenue ! Oh, la rédemption des condamnés sans humanité ! Non ! Il est impossible pour de tels pécheurs de sauver leurs âmes. Leur chance leur a été donnée de leur vivant. Ils méritent d'être punis. On ne peut défaire ce qui est fait. Mais alors, pourquoi me venir en aide si vous ne croyez pas en ma cause ? Voyez cela comme un investissement purement personnel. Je veux voir les déchets de ce monde lutter pour s'approcher du salut, pour finalement échouer et chuter dans le gouffre ardent de l'échec. D'accord. Oui, évidemment, je vois de nombreux obstacles se dresser contre vous et qui de mieux pour vous aider que moi ? Alors... Bonjour ! Hey, Baggy ! Quoi ? Le démon de la radio est à la porte ! Quoi ? Qui ? Qu'est-ce que je dois faire ? Ben, le laisse pas entrer ! Puis-je prendre l'antenne ? Vous pouvez. À l'instant, ravi de vous rencontrer, mon cœur. C'est un plaisir, venu excuser ma visite surprise, mais j'ai vu votre fiasco à la télévision et je n'ai pas pu m'empêcher. Quelle performance ! Je n'avais pas autant ri depuis le grand krach boursier de 1929. Tellement d'orphelins. Ne bouge plus ! Cabronero de pera ! Je connais ton petit jeu. Et je ne vais pas te laisser blesser qui que ce soit ici. T'as pigé, un pas de plus et t'es mort ! Ma chère, si je voulais blesser quelqu'un, ça serait déjà chose faite. Non, je suis ici pour aider votre cause. Il a dit quoi, là ? Aider ! Allô ? Ah, est-ce que ces trucs fonctionnent ? Un, deux. Pour moi, c'était clair et net. Et vous voulez aider pour... Cette chose ridicule que vous essayez de faire, cet hôtel ! Je veux vous aider à le tenir. Pourquoi ? Qu'est-ce qui motive les gens ? Un ennui pur et absolu ! Ma muse m'a quitté depuis longtemps. Mon travail est devenu lassant, sans objectif, sans but. Je cherche une nouvelle forme de divertissement. Et un combat à main nue avec une journaliste, c'est du divertissement ? Dans sa forme la plus pure, très chère. La réalité, la passion. Après tout, le monde est une scène, et la scène est un monde de divertissement. Donc, selon vous, ça serait possible pour un démon de se racheter ? Absolument pas ! Quelle idée saugrenue !
Oh, la rédemption des condamnés sans humanité. Non, 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 non. Il est impossible pour de tels pécheurs de sauver leurs âmes. Leur chance leur a été donnée de leur vivant. Ils méritent d'être punis. On ne peut défaire ce qui est fait. Mais alors, pourquoi me venir en aide si vous ne croyez pas en ma cause? Voyez cela comme un investissement purement personnel. Je veux voir les déchets de ce monde lutter pour s'approcher du salut, pour finalement échouer et chuter dans le gouffre ardent de l'échec. D'accord. Oui, évidemment, je vois de nombreux obstacles se dresser contre vous, et qui de mieux pour vous aider que moi? Alors...